Nous sommes ici à Gbehoué, dans la commune de Komé. Ce site qui accueille la délégation du ministre de la Communication abrite une partie des installations de la télévision numérique terrestre. Sur place, les techniciens sont à l'œuvre. Les installations sont presque à terme et on rassure l'autorité et les populations. Tout le territoire national sera couvert, en fait. Voilà. Aussi bien par la TNT, donc par les antennes, que par effectivement pour les zones isolées, nous avons prévu effectivement qu'il y ait une réception satellitaire. Donc logiquement, on aura 100% de couverture sur du Bénin. Après Gbehoué, cap sur le centre émetteur ORTB de Lokusa, un centre qui va connaître quelques réaménagements techniques du fait de la migration de l'analogique vers le numérique. Le Bénin a raté le coach en 2015. Le rendez-vous de 2018 est irréversible. Une détermination du chef de l'État qui prend de plus en plus corps. Nous pourrons dire que, à l'instant où nous sommes, la TNT évolue normalement. Il est vrai que dans tout projet, il y a quelques retards qui peuvent être annoncés compte tenu de la logistique et tout. Mais vu la cadence et le rythme que nous avons, nous sommes sûrs d'aboutir et d'aboutir conséquemment cette année 2018. Après une séance de travail à huis clos avec le personnel de la direction Mono Koufou de l'économie numérique et de la communication, Capsule Boycon. Ici, un autre projet phare du programme d'action du gouvernement est en exécution, celui de l'Internet haut débit et très haut débit. Avec le programme de développement des infrastructures, de la télécommunication et des techniques de l'information et de la communication. À Boycon, nous avons déjà déployé la fibre optique qui est fonctionnelle au niveau de Boycon, donc qui permet, n'est-ce pas, sur le tronçon de relier depuis Cotonou jusqu'à Malanville, donc du sud du pays au nord du pays, et de desservir Boycon. Aujourd'hui, elle a vu les infrastructures de transmission à fibre optique avec la nouvelle technologie DWDM. Elle a aussi vu les nouveaux types de cabinets. Vous voyez, avant, on avait des cabinets de cuivre. Aujourd'hui, nous avons des nouveaux cabinets de technologie qui permettent de donner de la fibre optique à domicile, des antennes 4G, donc notamment pour l'Internet haut débit, pour les abonnés, les populations. La révolution se poursuit donc dans ce secteur porteur d'avenir. Tour à tour, Radio Carrefour à Boycon et Idadou FM de Savay ont reçu la délégation du ministre de la Communication. Visite des lieux, échange avec le personnel. Adam Soulezoumarou se dit satisfaite de cette étape de sa tournée. Le point sommaire que je peux faire à ce stade est que les projets avancent bien. Les équipes sont en place et sont en train de mettre sur pied les équipements qui sont nécessaires donc pour aussi bien pour le déploiement de la fibre que pour les antennes pour la diffusion TNT. Nous avons raté l'échéance internationale de juin 2015 et c'est pour cela que c'est très important que les choses puissent se faire et aller selon une certaine célérité. Tout est mis en œuvre pour que les échéances soient respectées et les équipes déployées sur le terrain y travaillent. Le tout numérique, cette ambition du gouvernement se traduit désormais dans les faits.